créer son parti politique qui est en train de mettre les piliers en place. Comme je le disais, M. Bernard Gomou rêvait de tout. Non. C'est votre gouvernement, là, c'est vous qui parlez de réduire les partis politiques. Vous ne pouvez pas devenir leader d'un parti politique. Non, non, non. Monsieur Bernard Gomou, vous avez commencé à acheter des véhicules pour des communicants. Vers Koya, vous êtes en train de construire pour un communicant. Nous avons les informations. Nous avons les informations. L'un des blogueurs sur les réseaux sociaux, au début, il était pour le CNRD. Nous savions qu'il roule pour vous. La maison que vous êtes en train de construire pour lui, la voiture dont vous venez juste d'acheter, Hyundai, là, nous sommes au courant de tout. Ne prenez pas les Guinéens comme des imbéciles, monsieur Gomou. Vous saviez les tâches qui vous attendaient comme Premier ministre, la situation du pays. Vous avez accepté, vous êtes payé, vous avez des budgets. Aujourd'hui, on parle de détournement à gogo dans la presse. Vous, votre gouvernement, là, vous avez mis la CRIEF en place. Monsieur Gomou, avant de devenir leader politique, là, vous allez passer devant la CRIEF, Monsieur Gomou, comme Dr Kassori est passé. Donc, ne vous fatiguez même pas, Monsieur Gomou. Ne vous fatiguez même pas, Monsieur Gomou. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Vous devez répondre. Vous devez passer devant la CRIEF. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, pour dire, ah non, après ça, je vais devenir. Monsieur Gomou, pardon. Ce que vous êtes en train d'accumuler, là, l'argent et autres, là, vous allez justifier devant la CRIEF demain. Ne vous fatiguez même pas. Vous saviez. Il y a tellement de leaders en forêt que vous ne pouvez même pas les dépasser. Ne vous fatiguez même pas. Non. Alousen Soum Kanté, il ne faut même pas le répondre. Il y a volume, il n'y a pas volume. Si la téléphone Chine toque, ce n'est pas mon problème. Voilà. C'est des perturbateurs. Laisse-le tranquille là-bas. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement en forêt, nous sommes au courant de tout. Même. Attendez, je crois que j'ai des images ici. Voilà. De notre frère Haba, dont vous voyez l'un des vrais. Le Guinée est incroyable. Hein? Il y a des vrais caméléons en Guinée. Il y a des vrais caméléons. C'est-à-dire, ils ne font pas le combat par conviction, mais ils le font juste par intérêt personnel. Et le peuple, c'est que le peuple doit faire la différence entre les gens. Il ne s'agit pas de supporter quelqu'un parce que c'est ton parent. Il faut voir s'il est sincère ou pas. Haba, donc vous voyez très bien avec le logo du RPG, dont mes parents de la forêt peuvent témoigner combien de fois ce militant engagé du RPG Arc-en-Ciel, un beau matin, le CNRD qui n'est même pas un parti politique. Le CNRD qui n'est pas un. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui me fait mal. Vous qui êtes des leaders politiques, du jour au lendemain, vous changez comme des caméléons. Regardez. Le même gars ici. Ce qui m'a plu, c'est que tu as enlevé ta lunette. J'ai beaucoup aimé ça. Monsieur Abba, vous avez enlevé votre lunette. J'ai bien aimé ça. Toi-même, tu es assis, tu es découragé. Toi-même, tu es assis. Ici, tu as tellement mobilisé les gens en forêt. La tournée de Fama, grâce à vous, les gens sont sortis. En espace de sous peu de temps. Regardez déjà, monsieur. À cause de quoi? À cause de quoi? Déjà. Donc, ceux qui vont vous blaguer en forêt là-bas, ceux qui vont vous blaguer en forêt, nanani, nanana, on les donne de l'argent.
ils ne le font pas par conviction. Ceux qui vont vous tromper dans les villages, que non, voilà, on va suivre ça, c'est parce que eux, on les donne voiture, on les donne de l'argent. Les gens de Gomou, là, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. C'est des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Mettez le cœur. Depuis qu'on dit que l'Internet est revenu, là, nous-mêmes, on préfère notre VPN, là. Nos pages commencent à avoir des problèmes. Mettez le cœur. Voilà. Ce qu'on nous a dit, effectivement, c'est ce qu'on est en train de constater. Depuis qu'ils ont déjà installé tous leurs appareils, voilà, empêcher les gens de suivre les directs à partir de Conakry, c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est-à-dire avec le VPN, chacun se connectait. Donc, continuez même à rester avec vos VPN. Parce que ce qu'on nous a dit ici, là, qu'ils sont venus installer des appareils. Effectivement, c'est ça. Les réseaux sociaux et autres, ils ont fini d'installer. C'est ça, effectivement. Donc, continuez à installer vos VPN sur vos téléphones. Parce que ces bandits-là, ce n'est pas la peine. Donc, comme je le disais, les éléments de Gomou, en tournée en forêt, allaient sensibiliser nos parents, donner des missions à certains, au compte du CNRD, que toute personne qui aurait vu M. Claude Pivi, le colonel Claude Pivi, de remonter l'information aux gens du CNRD, ne vous fatiguez même pas, ça ne marchera pas. Ne vous fatiguez même pas, ça ne marchera pas. L'affaire de Claude Pivi, là, ne vous fatiguez même pas. Pour dire que non, les bandits là vont prendre Claude Pivi, ne vous fatiguez pas. Et vous qui avez pris de l'argent, vous qui êtes des agents secrets, du CNRD, vous devrez avoir honte. Souvent, regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous dans le miroir. Et depuis l'arrivée des bandits, là, il y a eu quel changement en Guinée au cours des 2 ans, là? Il y a eu quel changement? Mais vous aussi, essayez d'être intelligent un peu dans la tête. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. La majorité des Guinéens, tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime. Vous-même, vous savez, Gomou que vous accompagnez là, il a quelle chance d'être président en Guinée? Il a quelle chance? C'est un cadre. Arrêtez de tromper les gens là-bas. Et vous savez que Mamadou, sur tous les plans, il a échoué. Sur tous les plans. Le bandit n'a aucun... C'est-à-dire, il n'a aucune chance. Au lieu de rester soudé, vous allez accompagner, soutenir ces vauriens-là, ces démagogues-là, qui vont en forêt là-bas pour vous dire « Ngani, 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 soutenons tel. » Vous aussi, faites du sérieux quand même. N'acceptez pas les tralala de ces soi-disant communicants, des gomous là. Ils vous ont trop menti ici. Ils ont menti. Il y a eu quel changement? Hein? Ils vont au village là-bas. Vous n'êtes plus des Gawa. Vous avez l'internet au village aujourd'hui. Vous voyez le changement. Vous avez vu ce que les bandits là viennent de faire. Vous n'êtes pas des villageois. Vous n'êtes pas des Gawa. Le monde est un gros village aujourd'hui à travers l'Internet. Vous voyez ce qui se passe à Conakry. Franchement, mes parents de la forêt, là, ne tombez pas dans le piège de ces menteurs. Eux, ils ne pensent qu'à leur poche. La Guinée, ce n'est pas leur affaire. Je vous ai parlé de Michel. Où est Michel aujourd'hui? Michel Lama. Ceux qui ont aidé Mamadi à avoir le pouvoir. Michel est où aujourd'hui? Michel n'est pas en prison avec eux. Certains sont sortis ici. Non, ils ont affecté Michel, attaché militaire. Je ne sais pas si c'est à Zogotai ou bien si c'est à Koyama. En tout cas, ce n'est pas au Canada. Ce n'est pas en Chine. Attaché militaire où? À Kassa. Donc, franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, mes parents de la forêt là. Et les espions du CNRD, comme je vous ai dit,
Moi, j'ai déjà toutes les informations sur vous. Ça, c'est juste un avertissement. Vous me connaissez bien. Moi, je ne parle pas sans preuve. Et ceux qui me remontent l'information, vous n'avez pas de preuve, je ne viens pas m'asseoir pour parler. Mais vous continuez, on me remonte d'autres informations. Je viendrai ici, vos images ici, complets, montrer à nos parents de la forêt. Là, ils vont faire beaucoup attention avec vous. Vous qui êtes à Massanta aujourd'hui, en train de sillonner la région, quand vous êtes à la recherche de Colonel Claude Pivi et de Verny, vous qui êtes en train de trahir vos parents là-bas, si vous voulez devenir Génération Mamadi Doumbouya, nous allons vous exposer aussi, vous montrer à nos parents de la forêt pour qu'ils fassent beaucoup attention. Donc, c'est juste un avertissement. Juste un avertissement. Vous avez vu aujourd'hui la situation du pays. Depuis l'arrivée des bandits, là, il y a eu quelle amélioration au niveau de l'électricité? Il y a eu quel changement? C'est que moi, je dis, Wallah, je ne suis pas contre quelqu'un. Quand quelqu'un me dit, je n'aime pas le président Fakonde, je n'aime pas le troisième mandat, ça, c'est votre plein droit. Je n'ai pas aimé le troisième mandat, je respecte votre position. Mais moi, Damaro, quand je parle du président Fakonde, je parle du travail, je parle du bilan. Mais je veux savoir. On dit non, le président Fakonde n'avait pas troisième mandat, il y avait l'injustice. Je veux savoir. Il y a eu quel changement sur le niveau, au niveau de l'électricité? Il y a eu quel changement? Parce qu'ils veulent nous faire croire que non, tout va bien. Les gars, vous-même, regardez, hein, de Anko 5 jusqu'à Lambani, la nuit là. Tellement c'est noir, vous voyez mon téléphone même. Regardez, tellement c'est noir. Tout est noir. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je l'ai postée sur la page. Tout est noir. Regardez. C'est tellement noir, on dirait que c'est mon écran qui est noir. Regardez. Et avec ça, on dit non, c'est la refondation. On vient trouver un système. Matin, midi, soir, ils sont là à humilier les personnalités dans ce pays-là. Les docteurs Kassir, le premier ministre, on met ces gens-là en prison comme des voleurs. Docteur Diané, des bambins, des vauriens, des totos à la tête du pays, dans l'arrogance. Qu'est-ce que ces bandits-là ont apporté comme changement? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux par rapport à ces gens-là? Et ils sont dans ça. Au lieu de réfléchir pour dire, ah, attendons, on va essayer de décaler les choses, on va laisser les gens rentrer, on va appeler tout le monde autour de la table. Non. Bon, regardez aujourd'hui, ce n'est pas nous qui parlons. C'est d'autres. Hein? Oui, Barry, Kobari Hakim. Moi, je ne parle pas des maudits. Hein? Alpha Condé n'a rien fait, mais ce n'est pas ton père qui a donné Kalita. Ce n'est pas ton père qui a donné Swapeti. Ce n'est pas ton père qui a fait Armaria. Ce n'est pas ton père qui a fait le guichet unique. Ce n'est pas ton père qui a donné fibre optique. Ce n'est pas ton père qui a donné le passeport biométrique. Ce n'est pas ton père. Toutes les préfectures aujourd'hui en Guinée, chez toi, les bâtiments jaunes, ce n'est pas ton père. C'est le président Fakonde. La route nationale actuellement, ce n'est pas ton père. C'est le président Fakonde. Ce que tu dis, rien faire là, je te cite ça. L'interconnexion en forêt, ce n'est pas ton père. C'est le président Alpha Condé. Mais comme on dit, l'ingrat fait exprès, c'est ça. Vous êtes animé de haine. Restez dans ça. S'il n'a rien fait, moi je te cite. Le développement d'un pays commence par quoi? L'électricité. Kalita, c'est le président Alpha Condé, une réalité. Swapeti, c'est le président Alpha Condé, une réalité. Attendez même, à cause de ce vaurien-là, il faut que je lui montre. Parce que moi, les totos. Je n'ai pas le temps pour eux. Ça, il faut les montrer, les ignorants. Voilà. Quand l'État se barrage, toi, l'ignorant, là, l'ignorant, ce barrage-là, c'est le président Alpha Condé. Ça, c'est le président Alpha Condé. Toi, l'ignorant qui parlait, là, ce barrage-là, c'est le président Alpha Condé. Développement d'un pays,
C'est là-bas ça commence. Vous les ignorants, des gens remplis de haine. Comme tu dis que rien là, voici ça. Les hôpitaux là, on ne va pas parler. 70 millions d'investissements. Mamadi Doumbouya est venu, il a fait quoi? On parle de 200 milliards de détournements. Je vous ai dit, c'est votre choix de dire, je n'aime pas le Fakonde. Mais nous, si ce bilan-là, pour parler de ça, le changement, conditions de vie des Guinéens, je vais rebisser encore. Je vais rebisser encore. C'est-à-dire, la vidéo de Tamba. Ne quitte pas dans mon direct. Hein. Je ne voulais pas revenir, mais à cause de toi. Oui. Écoutez. Hein. L'aboutissement de tout et le départ de tout. Parce que tout ce qui est argent est confié à la présidence. Tout ce qui est technique et autour duquel il y a beaucoup de liasses est confié à la présidence. La technicité s'allume à quel moment? Bien. Et si vous voulez, l'efficacité des entités, on va y accéder à quel moment? Et donc on se retrouve dans cette situation, moi je dis, si c'est pour ça là, si c'est pour ça, on a fait le coup d'état. Désormais des vols spéciaux, prenez un jet, allez en Turquie. Allez prendre Alpha, ramenez-le ici, reposez-le dans son, dans son bureau, dans son siège, réinvestissez-le pour les mandats qu'il voudra. Parce que si c'est pour gérer comme ça, avec la corruption qui devient la règle, c'est douloureux et il faut arrêter tout simplement cela. Est-ce que nous, on a besoin de parler encore? S'il y a des gens qui critiquaient, c'est eux. S'il y a des gens qui ont accepté, c'est eux. Toi, l'ignorant. Que le président Fakonde n'a rien fait. Comme tu es un maudit, là, je te bloque sur cette page. Il ne faut même pas que je vais perdre mon énergie. Ne le répondez même pas. Attendez. Ce n'est même pas un baril. C'est des gens du CNRD. J'ai beaucoup vérifié ça. Ce n'est même pas son nom. C'est un faux profil qu'il a créé pour venir juste pour parler. Non, laissez-le. Donc, laissez ces ignorants, hein? Laissez ces ignorants en train de parler. C'est-à-dire, c'est toute la Guinée aujourd'hui. Toute la Guinée aujourd'hui. Et les journalistes de Djoma, Onga Yafi, eux-mêmes, ils disent, la comparaison, c'est comme Bazin, riche, original et Fariari. Les gens les ont vus grands, gros, grands, bêtes. Les gens ont cru que c'était la parole qui développe un pays. Les belles paroles. Réfondation. Gabegie financière. La justice sera la boussole. Ya Fariyar et Nara face Bazin riche original. Après l'ambirimbe. Di bandé rafé. Avant le coup d'état, la Gneka, Birinoubara Dari, courant, tout ça là. Ils sont venus. Konon, le bateau turc. Dépense Nara la Guinée, ben, comment les gens faisaient pour payer ça? Bande de vauriens d'incompétents. Hein? Non, franchement, c'est tellement merdant. Il y a des gens, ils sont de l'URDG. Hey, non dit Reliné, non dit. La vérité, on ne peut pas cacher ça. Je n'aime pas le président Fakonde, c'est ton plein droit. Je n'ai pas aimé qu'il fasse un autre mandat, c'est ton plein droit. Mais le courant, il a donné. La route nationale en cours, il a donné. Les réformes de l'administration, guichet unique pour lutter contre la corruption, il a donné. Vous voulez quoi encore? Les bandits viennent. On dit non, lutte contre la corruption. L'inspecteur de l'État, c'est-à-dire leur propre rapport, on parle de 448 milliards. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. C'est plus de 2000 milliards. Le rapport de l'inspecteur. Mais ce qu'ils ont montré au peuple de Guinée, 448. De quoi vous parlez encore? Le cas de El Sissi. Bon, c'est que, on ne vous dit pas, il était au PM3. Bala Samoura a été là-bas. On gardait El Sissi, sans jugement, sans rien. Même pas El Sissi seul. Il y avait beaucoup de personnes là-bas aussi. Bala Samoura, il a ordonné au PM3 que si Charles Wright envoie quelqu'un au PM3, 3 jours sans qu'on ne juge la personne, qu'on n'envoie pas des preuves, que de libérer ces gens-là. C'est Bala Samoura qui donne l'ordre là-bas. Ça veut dire toute personne
qu'on envoie à la gendarmerie, là-bas, et qu'il n'y a pas de preuves, on ne juge pas la personne, les gens de PM3 ou de la gendarmerie, de ne plus garder ces gens-là. Là-bas, j'ai dit bravo, Bala Samoura, je ne t'ai jamais aimé, je ne t'ai jamais supporté, mais l'information, pour ça, je te dis bravo. Et comme ils ont compris que M6 est là-bas, il n'y a pas de preuves. Nous avons déjà déjoué tout leur plan machiavélique. C'était d'aller déposer des armes chez tous les anciens dignitaires. Nous avons pris des huissiers, filmés, datés et tout gardé. Et le jour qu'ils vont venir faire leur fausse déclaration à la télé pour dire, voilà, chez tel ancien dignitaire, nous avons pris des armes avec les documents de gens de la justice, la vidéo, nous allons montrer aussi à l'opinion nationale pour dire que c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Et comme ils ont compris ça, El-Sisi, ils l'ont transféré à Kaloum. On pouvait le juger où? À Dexine ou mais ils l'ont, à Matam. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont envoyé El-Sisi au niveau de la DPJ à Kaloum. C'est là-bas El-Sisi se trouve. Il n'y a rien. Absolument, j'ai dit bien, rien. Quand un ministre se lève, va devant les médias, donner des fausses informations ou accuser quelqu'un, des citoyens, qu'El-Sisi a de l'argent, il a acheté des armes, ils veulent déstabiliser le pays, des gros, c'est-à-dire mensonges pareils, devant le peuple de Guinée, et qui n'a pas les preuves, ça devient gênant. Nous savions pourquoi ils ont pris El-Sisi. C'est-à-dire tous les mouvements de soutien au président Alpha Condé, nous voulons le retour du Fama, ça les dérange. Vous voyez cela? C'est-à-dire pour étouffer tous ces mouvements à l'intérieur du pays, raison pour laquelle Charles Ouret, qui est un petit communicant du CNFD, parce qu'aujourd'hui c'est lui le... Sinon, il y a un procureur de la République. Ce que lui, il a fait, c'est... Il ne devait même pas le faire. Ça veut dire que El-Sisi, son cas, c'est-à-dire qu'il est si important que Charles Ouret lui-même, ce qu'un petit procureur devait faire, lui, Charles Ouret, se lève, il va dans les médias, voici ce que El-Sisi a fait. Pourtant, il n'y a rien. Il est gardé, il n'y a rien dans le dossier. On juge quelqu'un avec des preuves. Pour vous dire combien de fois ces gens-là tombent bas. Chaque jour, les gens sont dessus d'eux. Vous avez écouté les journalistes du Bar Café. Les détournements de corruption au niveau du ministère des mines. Je vous dis, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Du jamais vu. Les bandits sont en train de délapider tous nos biens. Et après on nous dit, non, c'est la refondation, c'est rentré, c'est sorti. Mamadi Doumbouya, Sarakatala, Aka Djamfa Mike, Djamfa Kireon le Ketala. Djamfa est en aquel allé là. A le corriger toli. On doit le corriger. Ça, on ne va pas même pas appeler sa trahison. C'est un bandit qui a trahi son bienfaiteur. On doit remettre de l'ordre dans la maison. C'est un gangster qui a pris le pays en otage. On doit remettre de l'ordre à la maison. Comment des bambins comme ça, là, comment des gens comme Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Doumbouya doivent enfermer Dr Kassouri, Damarou, Dr Djané. Et M. Patel, on vient de le transférer, non? Je crois que lui aussi, il a été transféré ce soir. Je sais pas. On m'avait donné l'info qu'on devait l'envoyer en prison. Il faut que je vérifie l'info d'abord, avant de confirmer ici que l'ex-ministre des Mines voilà, a été déposé. Parce qu'on me dit qu'ils l'ont envoyé là-bas. Voilà, qu'après le bureau du procureur spécial, l'ancien ministre Paté se dirige vers la chambre d'instruction. Voilà. Ça, c'était aujourd'hui. Voilà. C'était aujourd'hui, mais j'aurais appris
qu'ils l'ont transféré à la prison, mais j'entends d'abord de vous confirmer cela dans si peu de temps. Aujourd'hui, ils l'ont conduit devant la CRIEF. D'après mes informations, ils l'ont conduit en prison. Dieu vous a dit, tous ceux qui supportent le CNRD, vous allez regretter Mamadi Doumbouya. Vous allez vous... C'est-à-dire, Mamadi n'a pas d'état d'âme. Mamadi n'est qu'un simple bandit. La situation actuelle, c'est un instinct de survie. Mamadi cherche à sauver sa tête. Ce que Mamadi veut aujourd'hui, il ne peut pas organiser des élections. Il sait qu'il aura un état normal, un état de droit. Il sait que tous les gens que lui, il a tués le 5 septembre, dont nous ne savions pas où se trouvent les corps, les soldats qui ont disparu, Monfoissori qui a disparu, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont disparu. La population vit dans la peur. Personne ne peut aller faire des déclarations aujourd'hui. Les parents des soldats disparus, personne. C'est quand le bandit va quitter le pouvoir que les gens seront libres d'aller dans les médias, d'aller vers les juges pour porter plainte contre X. Mamadi a peur de tout ça. Donc ce que Mamadi veut, c'est le chaos il veut. C'est-à-dire le chaos, qu'il y ait la pression de la communauté internationale, qu'on lui demande à... Il faut partir. Mamadi, non, là, on est là. Non, il se ritole, quoi. Non, il se ritole. Ils vont t'attacher, Mamadi. Il se ritole. Mamadi, tu oublies que non, tu es un traître pro-max. Tu pensais que non, tu pouvais faire le coup d'état au président Fakonde, à ton bienfaiteur. Que toi, tu allais t'asseoir tranquillement. Que Dieu allait, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui n'aime pas l'injustice. Dieu nous dit d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Mamadi, tu as fait quoi pour le président Fakonde? Mamadi, tu es venu, le président Fakonde était déjà président de la République. Mamadi, ton ministre de la justice, de la défense, voici ceux qui ont convaincu le président Fakonde pour créer les forces spéciales. Et toi, on te prend, on te lave. On t'a envoyé en France pour faire une formation d'officier. Toi, tu viens te flanquer devant nous, qu'on n'a qu'au troisième mandat. Mamadi, et pourtant, toi, une transition, si ça a trop duré, c'est 12 mois. Toi, aujourd'hui, ça te fait 2 ans. Ton bilan, c'est quoi? À part démagogie, à part des arrestations, à part détruire les symboles de la République, de l'armée. Tu es venu trouver Soronkoni, là, cette unité, tu as détruit. Les gens de Samouria, tu as détruit. Gir, tu as détruit. Même les forces spéciales, le premier groupement. Maintenant, c'est des milices que tu es en train de recruter pour ta sécurité. Mbara Founiana m'a dit, il m'a faussé, Yefonaba. J'étais conseillé ici. J'étais appelé mon beau pour que tu comprennes que non, c'est sincère ce que j'étais en train de te dire. Mais j'ai compris que non, Ikundiane quoi. Mais, Tchelou Dibassi, Inch'Allah. Allah te dit ton honneur. Ama korobofeu. Tous ceux qui te disent, Mamadi, Lansana Conte a fait ça. Wallah, elle t'y fait. Eux, ils veulent bouffer à côté de toi. Aujourd'hui, tous tes amis, là, ils ont déjà leur plan de plan B. Ousmane Doumbouya, Papa Fofana, les Bill, toutes ces personnes, Bonyal Beburu, comme toi-même, tu as la maison en Côte d'Ivoire. Ils ont aujourd'hui, ils ont des comptes bien garnis à Dubaï. Ils ont tous des comptes bien garnis à Dubaï. Parce que eux-mêmes, ils savent qu'après cette transition, c'est fini pour eux. Mamadi, il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Conseil dit, il faut qu'il t'amène. Toi, tu viens, ça dit, tu déranges tout le monde. 42 généraux, plus de 200 et quelques, qu'on t'y est lié. Il t'en a l'on a qu'on fintillé. Falbrisri, la lomina. Il a l'on a qu'on t'y a... Les djiba, merci. Vous n'avez rien compris d'abord. Mara Founiana, moi, il y a les 7 bœufs que tu viens de tuer à Cancan, là, Srakatala, Mamadi. La seule chance que Rémi Kadi l'a dit, tu as 2 options. Tu as 2 options. Prendre le pouvoir du président Alpha Condé, tu lui remets. Ou si tu as peur de ça, il n'y a pas de problème. Soit
tu appelles tout le monde, tu libères nos leaders, tu laisses le président Fakonde, tu respectes son honneur, tu laisses Sidya Touré, elle laisse Seloudale, ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent. Même la nouvelle constitution, là, il faut que ces leaders qui ont contesté hier, tout ceci soit impliqué dedans. Tu nommes un premier ministre de consensus, un premier ministre que les leaders, parce que c'est eux qui vont compétir, c'est les partis politiques, ce n'est pas vous. Tu es militaire, ta place est à les casernes. C'est les leaders comme au temps de Sekouba, un premier ministre de consensus. Tout ce qui est politique, tu te retires. Ce qui est la défense comme garantie de l'élection, tu assures ça. Mais comme tu dis que tu es le plus malin, tu ne veux pas faire ça. C'est les deux options. Mais comme tu dis que tu ne veux pas écouter, quand c'est les irrétrés, la Toto Minou y crève, oui. Kumfi Minou y crève, oui. Hankil Doua Minou y crève, oui. Kambremba So Minou y crève, oui. Minou y a fallu que non. Là, ça raconte que Sanji Mouani Nanike, Mama Didi Sitake là. Albrafri Kokalomina, pas. Ils seront les premiers pour sauter comme des crapauds, aller en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Mali ou bien au Sénégal. Na dodi anya duro. Na dodi na kikumakara. Mais moi, le kumalinya imanyaye. Quand on regarde le début du coup d'État à Nibi, à Ekiré, on te rafouligne, on te jama me a te rafouligne bi. O jama kere ne kata wo chili la. O di fe bi, o ti fe sini. O bi tano bi, o bi jam fa sini. Même tes amis là. On kale mo kere le très présent fa koneko. Qui est le ke waraye? On t'a conseillé. Tu as fait le mal, mais il t'a rancri soro. Il t'a lo kila sababu boni mo do le bara. Toi, tu ne veux pas que les autres te trahissent. Le discours que tu as tenu le 5 septembre, gabegie financière, Itagnon, depuis la Guinée, 26, c'est-à-dire 24 ans du régime, là, ça n'a compté. La Guinée, c'est-à-dire, il n'a pas endetté la Guinée comme ça. Avant, c'était les 50 millions, les 35 millions, les 100 millions, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 milliards de dettes en 2 ans. Même le recrutement à la fonction publique, je vous ai dit, c'est un petit. C'est-à-dire, le nombre qu'ils vont faire partir au mois de décembre, là, il y a une liste de près de 3000 personnes fin décembre qui doivent envoyer à la retraite. Le recrutement, c'est le trou là, ils vont vider. Ce n'est pas les 14 500 personnes qu'ils ont mis déjà depuis longtemps à la retraite. Ce n'est pas le trou là, ils vont combler. Hein. C'est les 3000. Plus de 3000 personnes qui doivent mettre à la retraite. La liste est déjà sortie. Qu'ils vont combler. Le Guinéen est là, on est en train de tremper. Voilà, on va donner de l'emploi. Vous, ça dit, je vous dis, il n'y en a pas. Ça dit, s'il y a l'argent là, Mamadi va essayer de faire. Mais il ne peut pas gérer. Quelqu'un qui n'a pas le niveau, qui ne maîtrise rien, qui ne sait même pas c'est quoi la gestion. On lui trompe, on lui ment, on fait sortir l'argent sans que lui-même, il ne soit au courant des bambatoumani, des crocodiles, des voleurs, des vagabonds qu'on a ramassés pour mettre autour de lui. Lui-même, j'ai pitié de lui parce que je l'ai conseillé, il n'a pas compris. Donc, la fin, il va comprendre après. Comme aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. C'est le président Dadis qui est devant. Le Tchogoro, il oublie que ceci-là était mieux que lui. Que Dadis le dépassait en tout pour ce qu'il a fait pour le peuple de Guinée. Que Dadis a été président de la transition avant lui. Que tous ces gens-là, les Toumba, ils sont 10 000 fois plus costauds que lui. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont devant là-bas. Donc, Mamadi, Niko Kite Hankiri Sorola, Abli Kuno Kolondo, Ita Di Djouya Oultai. Bi, on les accuse que ceci, voilà, massacre du 28 septembre. Mais il est tard. Ce que tu as fait le 5 septembre, à ton nom qu'elle a mouillé. Et c'est ce que Tamba a dit. Avec toutes ces corruptions aujourd'hui, à ciel ouvert, on critique matin, midi, soir. Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien. On ne voit rien. C'est sur Pétel maintenant, le ministre de la Santé, qu'ils veulent verser leur venin pour dire, nous luttons contre la corruption. C'est Pétel qui va être leur cobaye maintenant.
Mais on vous a tout dit. Les gros voleurs sont là-bas. Eux, ils sont tranquilles. Les Papa Fofana aujourd'hui. Les Ousmane Doumbouya. Les Ousmane. Mamadi Kaba de l'ALPT. Tous ces gens-là sont devenus des gros. C'est-à-dire des milliardaires en 2 ans. Ousmane Doumbouya. Celui dont on dit le cousin de Mamadi Doumbouya. Ses biens sont chiffrés dans les 50 millions aujourd'hui de dollars. Je vous dis, c'est incroyable. Ce n'est pas pour rien, les journalistes ont dit, hein, tout ce qui est finance au port, un peu partout aujourd'hui, l'argent qui doit aller au trésor public, c'est des bambins, des vauriens, des tocards auprès de Mamadi Doumbouya, qui orientent cet argent dans d'autres comptes, à Dubaï, en Suisse, quelque part. Et comment est-ce que le pays peut s'en sortir? Quand la famille... Continuons à prier. Inch'Allah, Dieu va faire le reste. Et comme je vous ai dit, moi je suis serein. C'est juste question de temps. Voilà, c'est juste question de temps. Et même quand vous prenez le sport, depuis l'arrivée des bandits à la tête du pays, le sport guinéen n'a plus respiré. Depuis l'arrivée des bandits, imaginez. La CAN 2025 nous a été retirée. Pas de stade homologué. Avec ça, on nous faisait croire que non, ces bandits-là, qu'avec la CAN ou sans la CAN, qu'ils allaient organiser, ils allaient construire des stades. Pas de participation à la CAN scolaire. Pas de participation à la CAN scolaire. Pas de représentants en Ligue des champions africains. Participation à la prochaine CAN 2023 menacée. 2 ans sans président, 2 ans sans président de la Fédération de football. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est rien, aucun secteur en Guinée aujourd'hui. Béa Diallo, quelqu'un qui a refusé, un simple, quelqu'un qui était héros député. Parce qu'il sait qu'en Guinée, il peut venir bouffer tranquillement et se lever, prendre son billet, et aller en Belgique. Héros député. Qu'est-ce qui lui manquait? Il est venu. Le sport, il y a eu quoi? CAN retiré. Pas de stade homologué. Fédération guinéenne. Président de la fédération, problème. Oh, ça dit, c'est incroyable. Prenez tous les départements. Vous faites le bilan depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand vous enlevez des gens, vous faites mieux que ces gens. Il s'agit de la chose publique. Vous, vous avez enlevé des gens. Vous avez mis ces gens-là, le premier ministre, Dr Kassori, en prison. Pourtant, lui, il a créé Agnès, Anafik, Mamri, tous ces programmes pour développer le pays, pour aider les pauvres. Mais aujourd'hui, on est en train de humilier, calomnier ces gens-là. Ils sont en prison. Le minimum, c'était le respect. Résidence surveillée, jusqu'à ce qu'on termine avec leur procès. S'ils sont coupables de quelque chose, on les met en prison. Mais non, des arrogants, des orgueilleux, des jaloux, ils prennent nos personnalités, on les met en prison. Parce que oui, c'est la force. Mais en cas de Baldaro, wallahi, hake de l'tetolaï, marafaliyene, nko hake te setolaï. Vous saviez en âme et conscience, vous ne pouvez pas faire mieux que ces gens-là. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de les humilier. Konoko Fankaya Albro. Fankaya Alalilao. Et Dieu teste tout le monde. Ce qui arrive à Dr Diané, Damaro, et Dr Kassori, au Braque Moba, Chiamanela, Mandela, combien d'années de prison? Mandela, le président du Brésil, M. Lula. Ils l'ont mis en prison. Ils ont calomnié sur lui. Ils ont sali son image. Mais son honneur a été lavé. Aujourd'hui, c'est lui encore. Même sa femme lui a quitté. Aujourd'hui, il a l'une des plus belles femmes du monde. Aujourd'hui, la première dame du Brésil. Allez-y voir. Tapez, vous allez voir la première dame du Brésil. Lui, là encore, il est redevenu président du Brésil. Donc,
Allah et la cour, vous pouvez salir l'honneur de quelqu'un. Vous pensez que vous pouvez rabaisser. Vous pensez que rabaisser ses personnalités, c'est ce qui va vous grandir. Allah et la cour, Mouabala, Maloya, Kou le Katal Kela Mouabaye, Ibra Mouabala Bouyala, Allah dit l'aïre. Ibra Mouabala Bouyala, le président Fakonde, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Autant de feu général, ça n'a compté pas à son âme. Il a été mis en prison ici. Ces militants, qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi autant de lance à la compter ici? On a vu le président Fakonde aller faire des prières sur la tombe du feu général lance à la compter. Donner de l'argent pour ne pas que la famille de lance à la compter perde le domicile qu'il vient de perdre récemment à Dixine. Le président Fakonde a fait ça. Les anciens dignitaires, on a accusé la Seludal et les Sidia Touré de tout ici. Mais le président Fakonde avait compris que ce n'était pas la solution. Que parce que Selou est un leader d'opinion, Selou a des militants. En le faisant, ça va créer des problèmes dans le pays. Mais il ne l'a pas fait. Il a travaillé, ceux-mêmes qui l'ont mis en prison, il a travaillé avec eux. On gère un pays avec la sagesse, pas avec l'arrogance et l'ignorance que vous vous êtes en train de faire. Vous écoutez des Nyangbo, des Vouriens, des gens comme les Ousmane Kabal et Lansana Kouyaté, des gens qui savent qu'ils n'ont rien n'a perdu. Parce que pour eux, il faut enlever Selou Dalein de la course, il faut enlever les docteurs Kassori pour qu'eux, ils puissent gagner des élections en Guinée. Ces gens-là veulent la paix en Guinée. Ceux-ci veulent la paix en Guinée. Bon, attends, on va terminer avec la partie de Soropogi. Parce que même eux, ils étaient en prison au temps de Koro. On a dit beaucoup, mais c'est les mêmes personnes aujourd'hui, voilà, qui ont compris que, voilà, il n'y a pas eu de changement, que ce coup d'État, ça n'a servi à rien. Le coup d'État n'a servi à rien. Le coup d'État des bandits, ça n'a servi à rien. Attendez, je cherche. Bon, je n'arrive pas à voir la page de Reflect Guinée, mais vous pouvez aller sur la page.